Les généraux au pouvoir au Soudan et les dirigeants protestataires sont parvenus à un accord vendredi sur l'épineuse question du transfert de pouvoir aux civils afin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. Les deux parties se sont mises d'accord pour établir un conseil souverain par rotation entre les militaires et les civils pour une période de 3 ans ou un peu plus. Ils se sont également mis d'accord pour former un gouvernement civil appelé le gouvernement du patriotisme indépendant et habile, dirigé par un premier ministre aux qualités similaires. Dans les rues de Khartoum et d'Omdurman, la ville voisine, les populations ont explosé de joie. Nous remercions les médiateurs africains et éthiopiens pour leurs efforts et leur patience. Nous remercions également nos frères des forces pour la liberté et le changement pour leur bon état d'esprit. Nous tenons à rassurer toutes les forces politiques, les mouvements armés et tous ceux qui ont participé au changement, des jeunes hommes et femmes, que cet accord sera complet et n'exclura personne et qu'il sera à la hauteur des ambitions du peuple soudanais et de sa pure révolution. Les deux parties se sont également convenues sur la nécessité d'ouvrir une enquête transparente et indépendante sur les événements violents qui se sont produits ces dernières semaines.